Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Eccomi. Sì? Allo, Nani? Sì, sono io. C'è Sébastien. Buongiorno. Buongiorno. Tu te souviens de moi? Sì. Voilà. Il est prêt et il a besoin de toi aujourd'hui. Oggi? Oui. Perché cos'è successo? Yeah. Salut Bill, je te dérange pas? Qu'est-ce que tu fais? Hey Winston. Non, c'est pas Winston. You at work? Au travail? Non. It's Saturday, of course. Yeah. C'est Sébastien, tu te souviens? T'as l'air complètement dans les vapes. Hein? No, I just got up. Ah, c'est pour ça, je comprends. What, you can't access the site? Je sais pas de quoi tu parles, Bill. Là. Par contre, j'ai appelé Nani, donc c'est bon. Tu vas chez moi, je te dépose. Yeah, all right. I'll be right over. Super. Ben, je te prépare un café. Yes. Coffee would be good. Will it be a cup of Ethiopian coffee? Éthiopien, je sais pas si... Ok. Ma lei si sente sempre in colpa. Sempre responsabile di quello che succede. Yeah, yeah, that's strange. Ma non tutto nella vita può essere determinato da noi. Noi facciamo quello che possiamo fare. Forse bisognerebbe imparare ad aspettare e non avere sempre un compito. Bisognerebbe imparare a oziare, che non significa essere passivi, ma avere un rapporto più rilassato con la vita, col mondo. Eh? Che ne dice? Nice place you got here. Donc je te disais, c'est pas une période facile pour lui. Il vit seul, son ami est parti, sa mère est morte. Même s'ils n'étaient pas très proches, ça fout un coup, j'imagine. Bill, c'est pas un bavard, c'est certain. Mais il écoute, et je sais que tu peux l'aider. Il avait l'air content d'ailleurs. Enfin, content, c'est un grand mot pour Bill. Mais il avait l'air d'aller mieux. Bon, t'as pu te rendre compte que souvent, il dit des choses incohérentes. D'un seul coup, il peut te parler du café éthiopien, par exemple, des fonds marins, ou des ours blancs, parce qu'il rêve d'aller au Groenland. Puis aussitôt reprendre le fil de la conversation. Mais en tout cas, il a deux gros problèmes qui l'empêchent de mener une existence normale. Le premier, c'est qu'il a l'impression de revivre chaque jour le même jour. Et le second problème, c'est qu'il y a des jours où il se sent vieux, et des jours où il se sent rajeuni. Alors son corps se transforme, c'est assez incroyable à voir. Hier, quand tu l'as vu, il était dans un jour vieux. Ouah, t'as rarement semblé aussi jeune. Ça te rend plus sûr de toi. Tiens, c'est joli ce lapin en glace. Ça doit être une marmotte. Bon, comme je t'ai dit, Nani a accepté de te revoir. Il t'attend au bar des amis. Il avait l'air dans un état super bizarre, je me demande s'il a pas pris des drogues. En tout cas, t'occupe pas de son état et dis-lui ce que tu as à lui dire. Je suis sûr que ça va bien se passer. I was in the Virgin Islands once. I met a girl. We ate lobster, drank pina coladas. At sunset, we made love like sea otters. That was a pretty good day. Why couldn't I get that day over and over? À l'issue de ce second rendez-vous au contact de Bill, Nani avait subitement rajeuni. Bill, quant à lui, était redevenu vieux. Au petit matin, Nani embarqua Bill dans la boulangerie qui était celle de ses parents lorsqu'il était enfant. Nani avait envie de danser pour fêter ses quelques années récupérées. Bill, lui, souhaitait simplement retrouver son canapé. Mmh.
C'est parce que tu es redevenu vieux que tu es triste? Tu t'attendais à quoi? Tu pensais que tu allais rester éternellement jeune? Bon, ça n'aura pas été une très bonne idée de vous faire vous rencontrer, Bill et toi. Je croyais pourtant bien faire. Je pensais vraiment que tu pouvais l'aider. Vraiment. Je vais te laisser maintenant. Il faut que j'aille parler à Bill. Au revoir, Nanny. C'est une grande maison, hein, ici. Hein. C'est une bonne idée d'avoir ouvert cette bouteille de champagne. Je voulais m'excuser pour Nanny. Je pensais qu'il avait arrêté ses histoires de drogue, mais apparemment, je me suis trompé. Faut croire que l'on a tous nos faiblesses. Tu devrais peut-être te remettre à sortir, je sais pas, rencontrer des gens, prendre un chien. Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas l'air d'avoir très envie de parler, hein. Ouais, je peux comprendre. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. Salut Bill. Nanny continua à vivre comme bon lui semblait. Il retrouva la joie simple de partager du temps avec les siens, malgré l'âge, malgré le temps qui passe. Bill décida qu'il était temps de changer de vie. Il avait toujours rêvé de partir dans ce qu'il appelait son paradis blanc. Alors il s'envola pour le Groenland, sans billet retour.